C'est une victoire collective, évidemment. C'est une victoire de, de l'état de droit qui a marqué un pas contre une, une idéologie abjecte, le négationnisme, qui n'a pas le droit de citer dans notre pays. Et ce, cet encadrement de la liberté d'expression en y mettant une frontière qui est justement celle de la négation de crimes contre l'humanité de génocide eh bien, a été réaffirmée par le conseil d'état dieudonné n'est plus un artiste et ce n'est ni un artiste ni un martyr. il a franchi toutes les limites de ce qui est acceptable dans une république dans une société démocratique comme la france.